Parfums d'Orient, sous les tuves, les fumées d'encens, brûle tes poumons dans les torpeurs enivrantes, hume les fleurs, leur senteur navrante, laisse loin la rumeur des villes. Si ta vie est tracée des vies, prends des routes incertaines, trouve des soleils. Cette scénographie, ça a commencé après une réunion que j'ai eue chez Augury. On a eu un repas avec. Romain, qui est booker chez Augury pour Gaël Faye, Eva et Tom, les managers, et Gaël. Et on parlait de tout ça, et on nous a dit qu'il va falloir penser à une scénographie pour la prochaine tournée, parce que Gaël va partir sur quelque chose de plus ambitieux. Et on est tout de suite arrivé, moi ça faisait longtemps que je voulais travailler avec des persiennes, comme je pense beaucoup d'éclairagistes, hein. c'est comme les ampoules, c'est un produit que tout le monde utilise. Et quand j'ai évoqué le mot persienne, Gaël a tout de suite dit ok, on valide, parce que ça lui rappelait au Rwanda, toutes les fenêtres sont équipées de persiennes, et donc ça lui a tout de suite trouvé qu'il y avait un lien avec le Rwanda et son histoire. Donc après, ça a été on a dû définir ce qu'on allait en faire pour ne pas avoir quelque chose de fixe. On voulait quelque chose de mobile, quelque chose qui puisse évoluer, grandir, et sur plusieurs années. En tout cas sur plusieurs mois. Et donc on a fini par dessiner ça, et puis on en a parlé avec Johan, qui a aussi proposé des choses. Et... Je montais une petite société qui s'appelle La Fabrique à Projet, et on est deux pour l'instant, ma femme et moi. Bon, on fait un petit peu de scénographie, d'éclairage, aussi on travaille un peu dans le disque aussi également. Moi j'avais fait un premier dessin sur WYSIWYG, qui a été remodelé par Johan, pour des questions toutes bêtes, c'est-à-dire sur un logiciel, on ne se rend pas forcément compte des vraies dimensions, et Johan a proposé des choses, de les élargir un peu, de les affiner un peu, et on voulait quelque chose qui s'adapte en hauteur, parce qu'on passe dans des salles plus ou moins grandes pour le moment. Donc là, ce soir, c'est la plus grande version qu'on ait jusque-là, et on peut s'adapter à 3,50 m, 3,60 m au minimum, à 7 mètres de haut. Là. Et on avait des contraintes de poids au début, parce qu'on partait en van, là on va partir en bus, donc le poids n'est plus le problème, mais il fallait qu'on commence en van, c'est quand même un produit assez lourd. Il fallait que ça se monte facilement, parce qu'au début on était seul j'étais seul sur la tournée, où Matt était ouais. Seul, et maintenant on va être deux, donc c'est plus simple. Ça va être beaucoup plus facile. Donc ça prenait beaucoup de temps, mais tout le système par contre d'accroche, c'est toi qui l'as pensé, et ça c'était quand même pas mal. On se sert du fly, on accroche comme le fly capot moteur, et on accroche le fly. Directement. Voilà. Et de là, il y a tout qui se déroule. Comme un accordéon. Voilà, et on enlève juste les roues. On enlève les roulettes voilà. Et ça part. Et voilà. C'est du LED strip. Avec un diffusant devant. 72 LED par mètre. Du RGB white. RGB. RGB du coup. Il y a un paquet d'univers quand même. Mmh. Du coup on passe tout en vidéo. C'est les LED qui sont sur le panneau. Qui reflètent sur la texture. Ah, en fait ils sont mis devant, du coup quand on remonte le panneau, elles éclairent directement les plaques d'aluminium. Soit ça, soit des fois les pointes ou les Magic Blade au sol en rasant. Tu es passé à Robo Spot en prêt. Ouais, exactement. C'est toi qui vas. Ouais, c'est moi qui vais m'amuser ce soir avec ça. Tu vas t'amuser. Ouais. J'ai vu que t'as un peu joué cet après-midi. Ouais, carrément. Ouais. J'en ai fait plus jeune, mais ça fait bien 5-6 ans que j'ai pas touché une poursuite. Quoi. En plus, c'est plus pareil d'avoir tout ça, d'avoir tout à chercher. On a tout sous la main. Comme une mobilette. Bah ouais, on a tout. On a les presets, on a les positions qui se recalent. On a des positions qui vont partir en public parce que des fois, il va dans le public. Bah ça se recale direct sur la position qu'on a décidée au moment qu'il va arriver en public. Donc on appuie sur un bouton, ça se met, on ouvre le dimmer. Et... Ça a l'air plutôt intéressant en tout cas, on n'a pas le faisceau qui se balade en public, on arrive, il pourra me faire les cuts quand il y a des cuts au noir ou que moi je suis pas sûr de pouvoir les faire facile. Il pourra me mettre les couleurs quand il y a besoin de couleurs au moment précis sur 2-3 effets. On a un angle d'attaque. Puis en plus on a ouais. On est à la face quoi, on n'est pas au fond de la salle, donc en effet c'est. C'est un angle... Parce que moi j'ai gardé que le dimmer et l'iris pour l'instant, donc c'est la première fois que j'utilise, on s'est fait un petit peu plus facile, donc j'ai juste l'ouverture avec l'iris et le dimmer. On a eu Ayrton aussi, on a des mini bursts aussi en
on essaie les nouveaux strobes, les petits strobes là. C'est assez petit, c'est assez léger, c'est rapide, c'est réactif. Voilà, on l'a testé aujourd'hui, donc il y a des effets un peu marrants à faire avec un strobe avec un palais tilt infini. C'est rapide, c'est réactif. Voilà.